Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de la You Made Friends du mois de septembre. Septembre, ouais, parce que moi, je vais oublier. Une fois de plus. Alors, le thème, c'est Staycation, donc c'est prolonger les vacances. En gros, c'est ça l'idée. C'est ça, c'est pour les gros fainéants qui veulent continuer. Un peu comme nos furets. Alors, ou comme les étudiants qui commencent beaucoup plus tard. Voilà. Voilà, Staycation. Et on voit qui a Totoro. Roflex. C'est ça, et c'était quoi déjà après? Brindibou. Moi, ok. Moi, je vois un Brindibou. Ah, Brindibou. Enfin, bref. De toute façon, on connaît. C'est on connaît les pailles, voilà. C'est ça. Qu'est-ce que je sors? Oh! Oh, c'est Kitty! On a un lien Kitty! Ah, voilà. C'est un Kitty en sachet, on est content. C'est un petit kit de brosse à dents. Oh. Team ciseaux! Team ciseaux, attention! Ah, ah non, tu décapites! Continue, c'est bon. J'ai eu peur. Non, mais en fait, c'est ça là, le truc plus dur. J'ai cru que t'avais décapité Kitty. Alors, attends, c'est un petit gobelet. Oh, c'est mignon! C'est un tout petit. C'est tout mimi. Welcome to Kitty Island. Regarde. Oh. C'est vraiment c'est le voyage. D'accord. C'est tout mimi. Hein. C'est vraiment quand on a des enfants, etc. Ou pour décorer. Voire même soi-même. Mais je trouve que la brosse à dents est un peu trop petite pour un adulte. Mais attends, on trouvera la brosse à dents après. Ouais. Mais le logo est pas mal. Voilà. Bon. Puis là. C'est voilà. Joli, en tout cas on est sur la magnitude. Attends, ça se pose comme ça. Oh, je vais pas réussir à mettre comme ça. Et il y a aussi le petit Kitty sur le côté avec une petite souris. C'est vraiment l'esprit voyage, c'est super sympa. Ouais, bah c'est le principe. Ah, j'aime beaucoup. Il y a un petit... Ah oui, là. Je cherchais. J'étais... Il n'y avait pas une Kitty normalement dessus, puis si en fait... C'est pas mal. Parce que, ouais, le principe c'est ça, puis je tac. Ouais, tu sors de son fourreau, puis... Tu peux faire pas. Comme Nioh, tu sais, avec son four et... C'est pas le même esprit. Ouais, c'est vrai. Mais t'imagines, tu mélanges Nioh avec Hello Kitty, ça peut être vraiment bien. Des tsum tsum. C'est une gourde tsum tsum. Ouais, j'aime bien quand c'est crayonné comme ça. Attends, on va ouvrir aussi. Ah, proprement. Proprement. Ah, petit ciseau. Oh. Ah, j'aime bien. Ouais. Franchement... Bon, par contre, on commence à en avoir plein de ce format-là. C'est exactement le même format que... Non, elle que... est plus fine. Celle de la pêchine, elle est plus fine, ouais. Mais j'aime vraiment bien le côté crayonné comme ça. Ça rend vraiment... C'est magnifique. C'est vraiment super beau. Ouais. Bon, on pourra mettre des bonbons dedans, en fait. Ou même l'utiliser comme gourde. Oh non, je trouve que c'est vraiment un truc où... Bah, c'est mieux de décorer. Enfin, en fait, de garder sans décoration, quitte à mettre quelques bonbons dessus. Mais ça serait... Ça serait triste quand même que tu vois dans ton sac que t'as la méchante queue qui arrive et qui éviscère tout le monde et que du après, coup... Après, je suis pas sûre que ça puisse, que j'ai l'impression que l'autocollant est à l'intérieur du plastique. En tout cas, c'est super mignon. Ah, c'est pas mal. Avec Mini, Daisy, il y a Cheshire, il y a le petit alien de Toy Story, il y a Sully. Parce que ce produit-là, on l'a pas vu. Parce qu'en fait, à savoir que sur You Made Twins, eh ben, ils spoilent en fait plus ou moins les trois premiers après, produits. Après, c'est des produits aléatoires de brand. Ouais. La petite Kitty, on pouvait avoir le Totoro. C'est ça. Et voilà, donc là, ça par contre, je savais pas. Alors, elle coûte combien déjà? Je sais plus. Elle coûte 25 euros, faites pour un plus. Voilà. Ou 28. Donc, je trouve que ça va, c'est un peu... Ouais. Oh, 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 le pingouin. Comment il s'ouvre? Ciseaux. Attends. Non, pas la fleur. Il a une fleur dans les cheveux. Alors, il arrive. Oh. Il est bizarre. Oh, le toucher. Oh, la tête! Il a une petite fleur ici. Mais franchement, il est drôle. Il est pas très beau. Il est drôle. Il est pas bien fini, mais franchement, il est drôle. Il a sa petite serviette ici. Parce que c'est pour... comment on appelle ça? Pour aller dans les onsen. C'est ça. Il y a le logo. C'est petit piaf, du coup, pour ça. Il y a le symbole des onsen au Japon qui est ici. Alors, à savoir qu'il y avait différents choix. Nous, on avait vu ça sur Internet et on voulait, en fait... Bah celui qu'il y a sur, par exemple, sur le petit autocollant, j'espère qu'on le verra. Enfin bref. Mais ouais, ça doit être une espèce de perruche, je pense, bah, avec ouais, la parce qu'il y a une sorte de je ne sais quoi. De crête. Ouais, il est pas ouf. Mais moi j'aime bien. J'aime bien ce qu'il est... Il est pas bien fini, le toucher est pas doux. Enfin, il n'y a rien pour lui. Il est tellement drôle. Le truc, on dirait qu'il vient de sortir de je ne sais où.
En plus, il a ça, tu veux. Oui, c'est le symbole des onsens, je l'ai déjà dit. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est moins agréable à toucher que le kappa qui vient. Bah, c'est clair qu'il est moins glam, quoi. Enfin, il a même le filet de colle ici, on le verra pas, mais bon. On l'enlève, hein, parce que le pauvre. Oh là là. Oh le pauvre. Mère nature des peluches n'a pas été sympa avec lui. Oh wesh. Oh, c'est Little Twin Stars. Tu voulais lequel déjà? Ma mélodie. Le tag est joli. Voilà, voilà. Après, du coup, c'est un mini sac. Ouais. Qui contient un plus grand sac avec un petit bouton pression. C'est ça, c'est comme. Comment ça s'appelle les poupées Les poupées gigoles. Voilà. Ah oui. Oh, mais c'est assez épais. Oh, il est grand. Et il est pas mal. En plus, il y a une espèce d'autre petit bouton pression ici pour refermer le sac. Ah, en plus, il a l'air d'être imperméable. Ouais. Et il a la texture qui ne s'effiloche pas, en fait. Un peu comme les imperméables qu'on achète à Decathlon, ouais, etc. Il y a un côté kawaii dans la texture. C'est un peu quadrillé et en fait, ça évite que si ça accroche, bah, que ça vous fasse en fait un gros trait comme ça. C'est un peu, je pense, assez solide. Ouais. Les dessins sont mignons. Il a Après, je trouve que ça fait... Petite fille. Ouais, petite fille, ou alors faut vraiment être un gamin qui aime vraiment les trucs vraiment kawaii, quoi, parce que... Bah là, c'est pas kawaii féminin, c'est vraiment girly, quoi. Mais ouais, c'est sympa, c'est mignon, peut-être que je l'utiliserai. Très honnêtement, il y a des chances, quand on va aux courses, on sort le petit sac, ça déplane. Ouais, ouais. Il est joli, c'est... On risque pas de perdre ton sac, ça, c'est sûr. Ouais. Non, mais il est super beau, il a une bonne texture imperméable. Après, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop féminin, un peu trop enfantin aussi. Moi je m'imaginais aller faire les courses et puis prendre un pack de bière, du saucisson et des cheats et mettre ça dedans. Ah mais alors là moi j'éclate de rire quoi. Oui. Enfin bref. Il a bien au niveau des couleurs avec le petit... Mais moi j'aime bien le coco. Ah, c'est quoi ça? C'est... C'est pour mettre des marques... Des petites languettes en fait. Voilà, c'est des languettes pour mettre sur les cahiers. Des marque-pages. Bah pas vraiment marque-pages, c'est pour marquer les... Pas de languette. De toute façon, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. C'est mignon. C'est super mignon. À savoir qu'à chaque fois dans les Yume Twins, il y a toujours un petit objet utile comme ça. En plus, il est mignon, il y en a un qui mange un mochi. C'est comment le truc Ouais, c'est ça, c'est des mochis. Ouais. En tout cas, ça a l'air d'être élastique. Ce petit personnage-là, je crois qu'en fait, son histoire, c'est un ours polaire frileux. Ah, c'est pour ça qu'il est toujours sur son plaid. Ouais. On n'arrivera pas à voir carrément le truc dessus, si c'est... Il est mignon. Franchement, il est mignon. Oh, il y en a un qui a un crabe et tout sur la tête. Il y a une petite baleine et tout. Bah ben, c'est un petit poisson, ça. En plus, c'est ceux qui ont, tu sais, qui ont une sorte de lanterne pour dire « Viens, vois ma lanterne !» Et ah, voilà, t'es mangé. Je crois qu'on a un peu tout foufou pour cet unboxing. Ouais, j'aime bien. Eh, mais c'est mon tour. Oui, moi, je m'en fiche, allez, montre. Ah, bah, ta Mélodie. Moi, je voulais un truc Pokémon. Ah, on a rien Pokémon, du coup. Bah, non. Donc, voilà. Dommage. Bah, sors-le de son sachet, histoire qu'on voit... Oui, bah laisse-moi 5 secondes. En plus, il y en a plein dedans. C'est pas juste un. Oui, je pensais que tu avais tous ces dentifrices, non? Ouais, mais même, moi, je pensais qu'on avait juste un sachet, en fait. Et il y a l'air d'en avoir quelques-uns, non? Il y en a 3, non? 1, 2, 3, 4. 4? Ah bah c'est pas mal, dis donc. C'est, vous savez, les chassés... Comment ça marche? Les chats. Des sachets. Sachets zip fraîcheur. Ah, c'est bien. Oh. C'est pas mal. Ah, l'idée est pas mal, on a le petit zip comme les sachets, bon je suppose que ça rendra, mais c'est comme les sachets avec le fromage râpé, les sachets mental, fraîcheur, etc. Tout simplement. Ouais. Mais ouais, non, c'est vraiment chouette. C'est pour mettre des cookies dedans. Bah mais... comme... Ah non, j'allais dire comme elle, mais en fait c'était un petit piou, du coup c'est un cookie. Alors à savoir qu'il y avait différents dessins, design, je crois qu'il y avait Ronflex. Il y avait Ronflex, il y avait Pikachu. Bah, c'est bon, on a fini. Et du coup, où je l'ai mis? Là. Du coup, ils vont résumer tous les produits. Ah oui, alors, les petits pioux. Il y a les pioux. Ah bon, je vais commencer par les pioux. Ah oui, parce que moi, je voulais désespérément le petit pioux rose. C'est vrai, oui, c'est ce que tu avais dit. Et moi, c'était celui avec le truc sur la tête. Ils ont tous un truc sur... Ah, ouais, mais celui-là, le marron. Le marron était joli aussi. Le marron, celui-là. Et il y avait le vert dégueulasse qui était pas mal aussi, parce que franchement, il est vraiment dégueulasse. Benjamin, il est différent. Mais c'est bon, si je le trouve pas propre, c'est bon quoi. Du coup, alors voilà, on vous laisse regarder un petit peu tout ce qui était possible d'obtenir. Vas-y.
Nous, en fait, on souhaitait avoir le Ronflex ou le Pikachu. Après, il est sympa quand même. Pas mal. Ouais, mais bon. Du coup, on a eu la bouteille est vachement chouette. Ouais, celle qu'on a eue, je trouve que vraiment, c'est vraiment la mieux. Elle est belle. Franchement, elle est chouette. Parce que sinon, on pouvait avoir différents designs ici. Nous, on a eu celui du milieu, ouais. Et les autres, je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est vraiment un résumé de tous les Tsum Tsum différentes. On est que nous, on voit vraiment l'illustration. Enfin, c'est vraiment très bien. Le côté crayonné est super beau. Les différentes tailles de Tsum Tsum, ça les met en valeur tous. Ouais. C'est vraiment chouette. Les mini marque-pages ou les languettes, etc. Bon, c'est commun à toutes les box. Il n'y a pas de différence. Et les sachets, par contre, il y avait différentes couleurs, mais... Les sacs. Oui, les sacs. Parce qu'en fait, ils sont tout petits, donc... Et du coup, là, on voit pas très bien. Il y avait quoi? Ouais, on voit pas. Il y a les deux jumeaux, je ne sais pas comment les Twins. C'est My Little Twins. Ouais, voilà. Little Twin Stars, pardon. D'accord. Mais qui est voilà. Plus sympa. Ouais, il y a aussi, comme la Wit-Wit, en fait, une sorte de gros... De l'eau à gagner, Media un Yumi Twins, on va dire, avec un concours, ici. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Là, on a un sac de sport... un peu comme les Américains, là, Pikachu, du coup, avec des petits mugs et un... Comment ça s'appelle? Un parapluie, voilà. Ah, franchement, c'est pas mal. Voilà, après, il y a eu, par rapport au concours sur les bento, il y a les photos, les bento, ceux qui ont gagné. Et après, c'est la communauté, et puis un petit focus sur un événement mignon au Japon. C'est ça. Donc, ouais, franchement, cette... J'ai pas eu les choix que je voulais. De même. Mais ça reste sympa. Mention spéciale pour la bouteille que j'aime beaucoup. Pour moi, ça reste. Enfin, ça sera pas vraiment ma Yume Toons préférée. Mais c'est plus une histoire de choix. C'est pas mal comme ça. Et ça rend bien comme ça. Mais. Le petit Pew, il est jaune, il a une fleur rose sur la tête. Exactement comme le nôtre. Par contre, ce que je trouve ça bien, c'est qu'on a différents sachets. Je pensais qu'on avait juste droit à un sachet comme ça et on en a quatre. Je trouve ça plutôt bien parce que je trouvais que ça faisait un peu... Un peu chiche qu'on ait qu'un sachet. C'est pas chiche, mais tu sais, juste que t'as un sachet pour mettre deux cookies et après t'as rien d'autre. Tandis que là, tu peux vraiment ranger différemment. T'en as vraiment quatre. Ouais, enfin moi, franchement, j'aime bien tous les items sur le principe. Après, j'aurais voulu avoir un autre petit oiseau. C'est ça. J'aurais voulu avoir un autre sac, même si finalement, je le trouve... Plus je le regarde, plus je le trouve sympa. Hello Kitty, je trouve que ça rend vachement bien. Enfin, j'aime bien. Ouais, ça va être plus sur une vitrine ou sur une étagère, histoire de décorer. Ça ira du coup sur mon étagère littéraire. Avec tous les autres marque-pages en collection. C'est ça. Bon, voilà, moi, ça m'a plu. Sinon, pour le petit moment info, on va dire, à savoir que pour la box d'octobre, du coup, il y aura Pokémon et un autre monstre que je ne sais pas. Le voyage de Chihiro. Voilà, c'est ça. Et qui a l'air plutôt pas mal. On l'a commandé aussi. Spécial Halloween en fait. Voilà. Franchement, je vous conseille d'aller voir sur Yume Twins parce que la box, elle promet quelque chose de plutôt elle pas mal. Sympa. Il y a le petit code promo qui sera sur le Twitter, donc n'hésitez pas à aller voir notre Twitter. Et en plus, ils vont mettre dans la box en fait un produit Pokémon, donc ça a l'air d'être plutôt pas mal. En fait. Enfin, Les petites serviettes Pokémon. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit commentaire pour... votre item préféré, quelle variété vous auriez voulu avoir au niveau des objets. C'est ça, et on vous dit à une prochaine. Salut, salut, salut.